Ah, mais Alors, faut pas que j'aille batterie mettre ma et démarreur. C'est parti. Hop, c'est parti. Relâche, relâche, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce charrier, c'est une merveille. Je me dirige vers l'aéroclub à Saint-Cyr, des journées spéciales que je vais découvrir le PA-19, qui est en fait le plus souvent un PA-18 militarisé. Celui-là, j'ai vu que c'était une fabrication française sous licence. Il a fait toute la guerre d'Algérie. C'est un Piper Super Cub qui vole pas très vite, mais qui était assez chouette. C'était vraiment un avion d'observation là-bas. L'avion, une particularité, c'est un avion avec une roulette de queue. C'est un train classique. Un peu de manche avant. La queue qui a naturellement envie de se lever. Une formation spéciale pour ça. Vacances avec un petit briefing au départ pour expliquer un peu comment ça se passe. On commence par un petit local. Qu'est-ce qu'il y a à checker, etc. sur cet avion, les spécificités. Prudence, l'avion, le. Et puis après, on fera des petits vols. Des petits tours de plus, je pense. Du coup, il y aura vraiment une pratique de glissade. Il n'y a pas de volet, donc ils sont obligés de faire des approches de planeur ultra basses. Alors, donc là, tu peux les appeler. On a Charlie et c'est pour un vol local sorti nord. Bonjour, un PA-19 de Personnator actuellement en parking à Thionblas serait pour rouler pour une sortie nord pour un vol local. C'est contre le virage, immédiatement, dès qu'il est commencé, c'est un jetier de côté opposé. Donc c'est une forme Zulu, la tour bonjour au niveau piston, on pourrait t'y attendre. J'ai mis numéro 3 et je maintiens une forme Zulu. Numéro 1, je te guiderai localement pour premier décollage. Une forme Zulu, piston droite, autorisé décollage, vers 210 degrés 8. Autorisé décollage, 11 points, j'ai une forme Zulu. Car donc disregarde l'infotrafic, le DR 400. On a pris Québec. Bagage, la puissance. Hop là, on va faire un petit à droite. Lève la queue tout doucement. Voilà, lève la queue, très bien. Là, il va vouloir décoller dans pas longtemps. Allez, laisse-le décoller. On restera du fait. Puissance gauche, trafic précédent sur Maca 200, fin de base avec. Hop là, sort, on monte. Sort encore. Ouais, vas-y, on monte. Sort, on monte. Côté des trafics, mais on rappelle en finale. La montée, tu l'as fait à 100, c'est ça? À peu près. On peut monter à 2000 pieds, on ouvre tout, vol lent, décrochage, exercice de plein en campagne, et retourne, je te reçois bien faire le tour de piste après. Bah ok, ça marche. Ok. Donc ce que tu peux essayer de faire, c'est voler le plus lentement possible. Tu vas voir que l'avion peut voler très lentement. Il va avoir le nez extrêmement haut, et pour voler à 60, on est presque plein gaz. Essaye de voler à 60, 70 pour commencer. Ok. Descendre, remonter le nez, mets un peu de gaz et on va y être. Ouais. Ouais, il a envie de décrocher vaguement, mais mets des gaz, c'est parce qu'il a fait, c'est moi qui ai mis des gaz. Okay. Voilà, toi là, il vole dans le sous de son hélice. Ouais. Hop, regarde, on est à 60. On est à combien là, 60, tu vois. Voilà, ouais, 60. Et là, si on ouvre la fenêtre, tu vas voir, on sera à 50. T'es prêt? Vas-y. Allez, touc. Le baba, il dit quoi? 50, même pas 40. Là, on vole à 40. Voilà, tu peux le garder à 60 hein, si tu veux, mais tu vois 50 il tient hein. Pas de problème. Donc là il réduit les gaz, on va voir ce qu'il fait. Ok. Hop là, et voilà. Donc là il plane très bien, et là tu as l'odeur des champs, le bruit des oiseaux, ce que tu veux. Attends, j'ouvre l'autre côté pour que tu rentres à l'inverse. Voilà. Là tu es dans la campagne. Voilà. Je prends quelques litres. Vas-y, dis un truc intelligent. Bon, mais fort. La vitesse de planer est de 105 km/h. Oh, c'est intelligent ça. Bon, éventuellement, comme là on peut pas faire des tours de piste à Saint-Cyr, on pourra peut-être tenter à Chavenay. Il y a quand même la fréquence platisse de Chavenay. Et puis on va aller tourner un petit peu à Chavenay. Bonjour, ici Chavenay Information Delta, enregistré à 8h40 UTC, puissance service 23. Uniforme Zulu, final pour toucher 23. Donc uniforme Zulu, piste 23, autorisé toucher 280 degrés, 6 rafales, 15h, rappel vent arrière. Autorisé toucher 23, rappel vent arrière, Fox uniforme Zulu. Et puis il faut que tu reproduises ce que tu voyais au roulage comme assiette, hein. J'ai oublié de te dire, toi, tu voyais à peu près ce que ça donnait. Donc il faut tirer jusqu'au bout du bout du bout du bout. Ouais. Voilà, ici la tendance à s'enfoncer un peu, tu vois, parce que tu as la vallée en contrebas avant la piste, mais là on est pas mal. Hein. Il faut réduire beaucoup plus tôt que sur... Ah, il est très 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 fin. Mais là, on est pas mal. On commence à adoucir la descente.
Et maintenant on tire, on continue, tire. Il a touché trop tôt, tu vois. Ouais. Il fallait, voilà, rester, alors manche en butée arrière une fois au sol. Ouais. Et par contre, mise de gaz. Voilà. Pas mise de gaz. Ok. Ouais. Mise en ligne de vol. Hop là. Mise en ligne de vol. Ah, tu l'as pas mis en ligne de vol. Ouais, mais sauf qu'il sautait, donc... Non, il faut le mettre en ligne de vol. Donc un deuxième tour de vis, on monte un peu dans l'axe, et puis après tu tourneras vers la fermée expérimentale à droite. Alors l'arrondi, il faut le faire 10 secondes, de 10 à 15 secondes de plus. Trafic précédent. Okay. Ça a très très long palier de décélération, tu vas jusqu'au bout du bout du bout du bout. Ok. Et là je vais demander si à l'issue on peut faire des basses hauteurs, ok? Ok. Alors ce que tu peux faire, c'est arriver volontairement trop haut pour qu'on puisse voir une glissade. Reste à 1300 jusqu'en mi-finale et tu verras qu'on peut quand même descendre. Je te montrerai la première fois, puis après tu feras. Ok. Là écoute, je vais te montrer la glissade, à partir de là, alors tu ne tournes pas tout de suite. Alors on réduit les gaz, tu vois, je vais commencer à tourner vers la piste, mais je retiens le nez avec le pied. Okay. Tu sens? Ouais. Et donc une fois que tu retiens le nez, ben, c'est le fuselage. Fox uniforme Zulu, piste 23, autorisé toucher vent 210 degrés, 4, rafale 12 nœuds, rappel vent arrière. Autorisé toucher 23, rappel vent arrière, uniforme Zulu. Voilà, t'as vu, on a tout récupéré, à toi. Ok, 40 devant. Alors je te laisse faire la même chose comme tout à l'heure, mais il faut... refuser le sol nettement plus longtemps, d'accord? Ok. Et après on part en basse hauteur par la gauche. Ok. Voilà, laisse le descendre, le nez vers le bas. Là, tu vois, non, là la vitesse est trop faible, remets des gaz. Là la vitesse est beaucoup trop faible. Là on va en faire un petit 23 pour un complet. Refuse le sol, on refuse plus, attends. Et là c'est bon, tu vois? Ouais. Allez, remise de gaz, mise en ligne de vol, tout de suite. Allez, voilà, tiens-le comme ça, et une fois qu'il a rebondi, tu décolles. Okay. Mais il faut qu'il ait pu accélérer un petit peu en ligne de vol. Ok. Ok, pour numéro 2, trafic précédent PA19 en basse hauteur. Numéro 2, sauf que... Et là, tu peux virer à gauche, tranquille, voilà. Ça ne sert pas trop, hein, y a de la place. Voilà. Uniforme Zulu, en sortie par le nord, pour quitter vers Saint-Cyr. Fox uniforme Zulu, contactez Saint-Cyr, 118 décimales 0, bon retour à bientôt. Uniforme Zulu, bonjour, un PA19 de personne à bord prononce de rôle local / Chavenay, 3 minutes de l'entraîneur, Clamart 1500 pieds. Uniforme Zulu, final en point. Tour de Fox en Victor, bonjour. Roméo Victor, la tour, bonjour, maintenez le point d'attente, je vous rappelle. Je maintiens le point d'attente, Roméo Victor. Fox uniforme Zulu, piste en droite, autorisé atterrissage, en 180 degrés 5. Autorisé atterrissage, en droite, uniforme Zulu. Donc c'est Tango Tango, contactez les alarmes. Avec le Tango Tango. Donc le vent vient de droite. Ouais, alors pas trop de glissade à droite, hein, mais bon, je fais juste un atterrissage normal. Et à gauche, la manche est bon pour moi. Hein. Manche dans le vent, à droite, ouais, et à gauche. Mais là t'es impec. Hein. Ouais. À mon avis, là tu peux même réduire les gaz et essayer de prendre à cette. Moi ça me paraît tellement tôt de faire ça. Ah, tout réduit parce qu'on va être trop long là. Nous on est déjà à 110. Zulu, Charlie, distance gauche. Autorisé atterrissage en 180 degrés. Autorisé atterrissage, distance gauche. Voilà, laisse le nez vers le bas pour maintenir ta vitesse et ce sera impeccable. Laisse le nez vers le bas surtout. Hop, voilà, et là on arrive, toi, on est déjà un peu rapide. Roméo Victor, niveau piste 11-3, c'est attendu. Je manie une piste. Parfait. Bats-toi maintenant, bats-toi pour maintenir l'axe. Mange le but arrière. Voilà. Butez arrière. Ok. Voilà, parfait. Bats-toi au pied, droite-gauche. Uniforme Zulu, en Delta 4. Uniforme Zulu, Delta, les Alcyons du bas, quittez là-bas. Delta, Alcyons du bas et je quitte là-bas. Merci beaucoup, uniforme Zulu. Je suis mieux dans un à l'arrière d'un DR400. J'ai peut-être enlevé ma jambe. Hop là. There you go. Moi de bonne bonne foum. Ah réveillez voyons. Foum. Ah bébé. Cette merde. Ouais, c'est comme. Sincère de Foxtrot, bravo Oscar, uniforme Zulu. Rebonjour. Uniforme Zulu, roulez point d'attente, piste 11 droite, rappelez prêt. Le point d'un 11 droite, je rappelle prêt, uniforme Zulu. C'est vrai que c'est très particulier quand même. Déjà rien que là, voir le sol et tout, hein, c'est ouais. Pas habitué. Une fois qu'on est dedans, ça va, il est... On est bien, hein. Ouais, ça va. Il prend tout l'eau, t'es prêt.
Mission de Zulu, à New Piste 11 droite, autorisé décollage, 120 degrés 80. J'allais bien, autorisé décollage, 11 droite, uniforme Zulu. Non, on monte. C'est chouette quand même, hein. Ouais. Ça, on va réduire un peu, pour éviter d'abîmer le moteur. Ouais, ils font de l'aviron, hein. Il y a piste 11 gauche. On est tout à l'heure au GDL. C'est vrai qu'il avance pas à bas honte. Ouais, c'est clair. On arrive à 6 vols, c'est bon. Avec le GDL, on met à 30 secondes de l'entrée. On est dans notre tourneur 4-4-2-3. Zulu numéro 1, autorisé option 11 gauche, 210 degrés 80. Uniforme Zulu, autorisé atterrissage 11 gauche avec option, mais je prends pas l'option. Uniforme Zulu, c'est incomplet. Désolé, je fais une glissade là. Il y a besoin que je tienne la table, enfin la porte. Non, c'est bon, ok. C'est agréable, hein. Ah ouais, honnêtement, c'est top. C'est trop bien. En plus, là-bas, une journée un peu chaude comme ça, tu prends du temps dans l'air chaud dans la tronche, c'est super. Ah, c'est clair. Uniforme Zulu, pareil, sur. Je quitte. Merci beaucoup pour le service du jour. Au revoir. Uniforme Zulu, bonne soirée.